dans la région, justement, pour demander à... Alors, qu'est-ce qui écoute la radio, là, ou la télé? Ça y est, vous avez fini. Quelles sont les dernières nouvelles d'Ukraine? Comme hier. Alors, on va souhaiter meilleure santé à René. Où est-ce qu'elle est partie, René? Bon, bref. Bien, alors écoutez, nous allons commencer notre étude de la paracha de Behar. Comme d'habitude, nous allons passer en mode partage d'écran et étudier ensemble le début de la paracha. Et je vais dédier notre étude par le Hilouni, qui badait le Chaim Arukim, l'Erfota Shlema Shelishti Rayati Chayarut Batidina. Amen. Nous allons étudier un thème au début de la paracha de Behar, et je lis donc les deux premiers versets de la paracha. Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai les morts, daber el Bnei Israël va Marta alehem, ki tavou el haaretz asher ani noten lachem. Veshavta haaretz Shabbat Lachem. La question classique, bien connue, qui se pose, concerne la présence dans le premier verset de la Torah de deux mots inhabituels, Beha Sinai. D'habitude, nous lisons Vaidaber Hashem el Moshe les morts, et ensuite viennent les instructions qui sont données dans la Torah, dans le passage considéré. Mais ici, et c'est une un cas unique où la Torah précise où cette parole a été adressée à Moïse, à savoir Behar Sinai. Et on va immédiatement avoir à s'étonner parce que c'est une chose qui est connue. Toute la Torah a été donnée au Sinaï. Et donc, pourquoi ici faut-il préciser Behar Sinaï à propos de cette mitzvah de la Shemitah? Et étant donné que la Torah va dire tout de suite que cela ne concernera que Israël une fois entré sur sa terre, « Kitavo el haaretz », pourquoi préciser à ce sujet Behar Sinai? D'autant plus qu'il y a une autre précision qui est donnée et qui semble aussi inutile, « Asher ani noten lachem », que je vous donne. Rashi à ce sujet est bien connu, nous allons le relire malgré tout parce qu'il faut que les données, même bien connues, s'impriment de façon claire dans la mémoire et dans la conscience. Ma'inyan Shmita etzel Har Sinai. Que vient faire la Shmita au Mont Sinai? Vahalo, et n'est-ce pas? Que toutes les mitzvot ont été dites depuis le Sinaï. Et là, mais voici la réponse. Mash mita ne emru klaloteha pratoteha vedikdukeha mi Sinaï. De même que la Shemitah, pour la Shemitah, ses principes généraux, klaloteha, pratoteha, et ses détails, vedikdukeha, et les précisions de détails, ont été dites du Sinaï, Afkulan ne'emru klalotehen v'dikdukehen mi Sinaï. Il en va de même pour toutes les mitzvot, le principe généraux
leurs précisions de détail ont été données au Sinaï. Et Rashi précise, Kach shnuya betorat kohanim, c'est ainsi que cela a été enseigné dans le Midrash Halacha Sifra, qui est appelé également Torah Kohanim, la Torah des Kohanim. Ça concerne donc le Midrash Halacha sur le livre de Vaïkra. Nous allons étudier à ce sujet un enseignement du Rav Tzvi Yehuda, tel qu'il est rapporté dans l'ouvrage Mitoch HaTorah HaGoelet, dans la deuxième partie, et c'est un cours qui a été donné, ou une sikha qui a été donnée par le Rav Tzvi Yehuda, Motzei Shabbat Kodesh, le 15 Iyar de l'année 5736. Il reprend un peu l'étonnement de Rashi. Vechol mitzvot lo nemru le Moshe mi Sinai. Toutes les mitzvot n'ont-elles pas été dites à Moshe depuis le Sinaï? Et là, mais voici la précision sur laquelle il faut s'attarder. Kitavou el haaretz. Lorsque vous serez venu au pays. Ve hayesod haklali hanilmad mi mitzvazo. C'est là le principe fondamental qui est appris à partir de cette mitzvah, à savoir Ba'aretz hem goy echad. Dans le pays, en Eretz Israël, hem, eux, et c'est un pluriel, goy echad ne forme qu'un seul peuple. L'unité réalisé à partir de la multiplicité des identités particulières, c'est quelque chose qui ne peut se forger qu'en Eretz Israël. Shlemut hofaratam shel Israël, ve Torah, Shlemut, la plénitude, hofaratam, de la manifestation, shel Israël ve Torah, d'Israël et de la Torah, ba'aretz, c'est dans le pays que cela se réalise. Quitte à vous ou el haaret, lorsque vous serez venu au pays, ve az atem shlemim, et alors vous êtes entier. Shlemim, cela veut dire absence de manque, le contraire de chaser. Et avec un sourire dans le coin de l'œil, le Rav Tzvi Yehuda rajoute « normalim ». Pour Israël, il y a différentes situations ou différentes dimensions d'anormalité à savoir le contraire de l'unité. Pour Israël qui est supposé témoigner de l'unité, et cette anormalité a sa racine existentielle dans l'exil, dans le fait de n'être pas en Eretz Israël. Atem, shlemim, normalim. Le Rav rappelle un enseignement important que nous apprenons du deuxième paragraphe du Shema. La structure générale de la Kriyat Shema, qui comporte les trois paragraphes, on ne va pas reprendre le détail, ce n'est pas l'objet de notre étude ce soir, mais essentiellement, nous disons que le premier paragraphe, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, et le deuxième paragraphe, c'est Kabbalat Ol Mitzvot. Je ne vais pas m'attarder sur le détail de Ol Malchut Shamaim, le joug de la souveraineté des cieux et le joug des mitzvot. Le joug, ça veut dire la soumission à. Mais je vais quand même rapporter un enseignement du Rav Kook, le père, à ce sujet. Et il explique
que le joug que l'on pose sur le bœuf qui va tirer la charrue, c'est pas pour le plaisir de lui mettre un joug. C'est-à-dire que le joug, c'est le moyen par lequel la charrue va pouvoir creuser le sillon qui va permettre les semailles, qui va permettre la récolte. Autrement dit, Kabbalat Ol Malchut Shamayim et Ol Mitzvot, c'est non pas une finalité en soi, mais le moyen grâce auquel l'objectif visé dans l'histoire d'Israël va pouvoir être réalisé. Or, dans ce deuxième paragraphe de Kabbalat Ol Malchut Ol Mitzvot, la Torah met en garde que si Israël devient infidèle à sa propre identité, infidèle à sa mission, alors le risque va avatem mehera me'al haaretz hatova que on soit amené à quitter la terre. Il ne faut pas entendre cela comme une sanction, comme un châtiment, mais comme une conséquence. Lorsque nous serons dans les parachiotes qui concernent cela, dans Sefer Bamidbar en particulier, on pourra étudier de façon plus précise de quelle façon cette conséquence intervient. Mais pour notre sujet, immédiatement après avoir dit et vous avatem hera me'al haaretz et vous disparaîtrez rapidement de sur la terre, c'est-à-dire d'Eretz Israël, la Torah dit vesamtem et devarai ele al levavrem ve'al nafshechem, et vous placerez ces paroles sur vos cœurs et sur vos personnes. Et Rashi, sur le verset qui vient après, comme c'est rapporté en note un peu plus bas, nous dit la chose suivante. « Af le achar she'atem golim min ha'aretz, même après que vous aurez été exilés de la terre, heyu mutsuyanim b'mitzvot, soyez distingués par les mitzvot. Shekeshetarzeru la haaretz, afin que lorsque vous reviendrez au pays, lo yihyu kechadashim, les mitzvot ne vous soient pas inconnues comme si elles étaient neuves, à savoir ne pas savoir comment faire. Et le Rav Tsuyuda précise, Ikar Torah o mitzvot davka ba'aretz. Que signifie Ikar? Comment vous traduisez Icar? L'essentiel. Oui. Mais encore. La racine. Hein? La racine. Quel rapport entre Icar et racine? C'est le sens du mot. L'accord, ça veut dire déraciner. Ah, d'accord. Ok. Icar Torah o mitzvot davka ba'aretz. La racine à partir de laquelle la Torah et les mitzvot se développent, c'est précisément, spécifiquement, en Eretz Israël. Puisqu'aussi bien, Shehare Torah Mitzvot Nitnu l'Israël anormalim. La Torah et les Mitzvot ont été donnés à un Israël normal. Nous parlons en français, et donc certaines subtilités de l'hébreu passent difficilement dans le français. Israël, ici, est un singulier collectif. C'est la raison pour laquelle normalim, qui est un adjectif, est au pluriel. Le Israël normalim a des Israël, a des membres du peuple d'Israël normaux.
Or, le peuple d'Israël, les Béné Israël, vous constatez que j'hésite un petit peu parce que j'essaye d'éviter d'utiliser le mot juif. En parlant de manière, sans faire très attention, on dirait que la Torah a été donnée à des juifs normaux. Mais ce n'est pas exact, parce que la Torah n'a pas été donnée à des juifs. La Torah n'a pas été donnée aux juifs. Ce ne sont pas les juifs qui ont reçu Torah au Mitzvot, ce sont les Hébreux. Et parce que précisément, ici, il y aurait une contradiction interne dans cette formulation. Parce que l'identité juive, c'est précisément l'identité d'Israël quand il est en exil. Et quand Israël est en exil, il n'est pas normal. Mmh. Par conséquent, on ne peut pas dire que la Torah a été donnée à des juifs normaux. Est-ce que c'est suffisamment clair, cette... il ne s'agit pas de pinailler. Il s'agit d'être précis, parce que sinon, à travers des glissements de sens dans la langue, il y a toutes sortes de problèmes qui s'insinuent à la fois dans le discours et dans la conscience, et dont on ne se rend pas compte ensuite des conséquences et des troubles que cela génère. Il y aura bientôt, le 25 mai, c'est dans 15 jours à peu près, le prochain colloque de Dialogia, ce qu'on appelle de manière un petit peu pompeuse le colloque des intellectuels francophones d'Israël. Et... qui va s'interroger sur l'identité d'un État juif. Et c'est de ça que je vais parler personnellement. Ça va être mon sujet. Mon sujet est intitulé « Faut-il vouloir un État juif ?» Vous êtes invité à participer, Beth Sionet America. Si vous avez besoin du lien, je vous l'envoie. Ça sera en présentiel, pas en Zoom. Je ne sais pas si ça sera relayé en Zoom ou pas. Je vais devoir poser la question pour savoir s'il y aura un lien disponible pour ceux qui ne peuvent pas être présents pour telle ou l'autre raison. Torah mitzvot nitnu le Israël hanormali, hashlemim. Et immédiatement, apparemment sans transition, le Rav embraye en disant « Veshavta ha'aretz ». Veshavta ha'aretz, la terre fera Shabbat. Yesh Shabbat le kol yachid. Il y a un Shabbat individuel, Shabbat de chacun. Yesh Shabbat klalit, et il y a un Shabbat collectif. Le Houmit national. Veshavta ha'aretz, et la terre fera Shabbat, un Shabbat et une terre, ha'shayechet le kol ha'uma kula, qui appartient à la nation tout entière. Torah, la Torah, qui divrei Elohim chayim, c'est les paroles du Dieu vivant. Et donc, notre vie. Le Haaretz et la terre est appelée, nikret, Eretz Chaim, Arzot Chaim, Zo Eretz Israël. C'est un commentaire sur le début de la Mishnah du 11e chapitre de Sanhedrin. Arzot Chaim, Zo Eretz Israël. Le Shaveta Haaretz. Et là, il va y avoir une formulation
très particulière de la part de Rav Tzvi Yehuda, Ha'aretz Metsuvet. Tout se passe comme si c'était la terre qui avait reçu la mitzvah. Il ne nous est pas dit dans ce verset, Kitavo el Ha'aretz Metsuvet, alors vous ferez jachère de la terre et la mitzvah de la Shemitah. Il est dit, Veshaveta Ha'aretz. La terre devra faire Shabbat. C'est la terre, semble-t-il, qui reçoit la mitzvah. Ha'aretz mushbetet. La terre est mise en grève, en halt, en repos. Quelle terre? Ha'aretz ha'elohit. Ha'aretz ha'israélit. Yeshla inyan meyuchad shel Shabbat l'Hashem. Cette terre, qui est la terre divine, la terre, comment dire, israélite ou israélienne, Yeshla Inyan Meyuchad possède un caractère, une thématique spécifique, particulière, qui est appelée Shabbat l'Hashem, un Shabbat pour Hashem. Et parmi les précisions qui sont annoncées dans le Midrash qui a été cité par Rachid de Torah de Kohanim, Ubashana Hashvit est la septième année, Sheva Shanim, sept années, Sheva Pamim, sept fois. Yesh Cheshbon Barolam. Nous constatons à la lecture de la Torah que dans l'histoire du monde, il y a un calcul, un compte. Cheshbon. Et le fait qu'il y ait Cheshbon Ba'olam, et ce terme de Cheshbon ne peut pas ne pas éveiller, pas seulement par association d'idées, mais par contenu spécifique, la notion de Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, c'est le fait que j'ai à rendre compte de ce que je fais de moi-même. J'ai à rendre compte de mes actes. Mais rendre compte de mes actes, cela veut dire rendre compte de ce que j'ai fait, de ce qui doit être mon histoire. Et c'est vrai individuellement et c'est vrai collectivement. Et le fait d'avoir à rendre compte, Yesh Cheshbon Ba'olam, cela signifie que Ha'olam Eno Hefker, le monde n'est pas laissé à lui-même. La notion de Hefkerut, c'est une notion qu'il faut entendre dans une certaine relation à une irresponsabilité, au fait de laisser les choses aller, comme on dit en français, à volo, du n'importe quoi. Eh bien, la terre n'est pas laissée à elle-même. Et qu'est-ce qui vient dans la Torah après cette instruction d'un compte qu'il va falloir compter sept fois les années de Shemitah? Il y a sept années, la septième c'est Shemitah, il y a sept fois cette année, et la cinquantième année, c'est l'année du jubilé. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette année du jubilé? Ukeratem d'Ror ba'aretz l'chol yoshvea. Ukeratem. Vous déclarerez, vous annoncerez, vous invoquerez, vous évoquerez. Il y a un appel. Nous sommes dans Sefer Vayikra. Ukeratem d'Ror ba'aretz. D'Ror, c'est l'un des mots en Lashon HaKodesh qui signifie la liberté. Non pas le libre arbitre, c'est une autre dimension de la liberté, mais la liberté totale, la liberté vraie, la liberté absolue. Vous déclarerez liberté dans la terre, sur la terre, dans le pays, le Chol Yoshvea pour tous ses habitants. Et se pose la question dans le Talmud,
« Ematai yovel noheg » Quand est-ce que le jubilé accourt ? Pas du verbe accourir, mais du sens de avoir cours. Quand est-ce que la mitzvah du jubilé s'applique-t-elle ? Et la réponse qui est donnée là-bas, que shekol yoshvea aleha, lorsque tous ses habitants sont présents. C'est une tournure difficile. Yoshvea, ce sont les habitants du pays. Ce sont les habitants du pays, ce sont les habitants qui sont présents dans le pays. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tous ces habitants sont présents ? Cela sous-entend ou cela implique une situation d'anormalité où ceux qui sont supposés être les habitants sont absents. Ils sont ailleurs, créant une situation à plusieurs égards anormale. Et la Gemara précise, qu'est-ce que ça veut dire « kol yoshvea aleha » Ça ne veut pas nécessairement dire « tous ». Rov yoshvea aleha. Lorsque la majorité absolue de ses habitants sont présents. Et il y a un renvoi de détails chez Rabbi Shlomo Ben Adret ou Ben Adéret sur Gittin 36b. Il peut y avoir des gens qui sont absents, mais dont l'absence est justifiée. Il y a des raisons pour lesquelles ils ne sont pas là, et ces raisons pour lesquelles ils ne sont pas là ne sont pas des raisons mauvaises. Par exemple, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas voulu venir. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en mission. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en voyage. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont un rôle à jouer ailleurs pour l'instant. Et donc, il y a des absents. Mais ces absents ne remettent pas en cause la possibilité de la liberté pour la collectivité tout entière. Yesh Cheshbon Ba'olam. Le monde n'est pas Hefker. Mais voilà que lorsque le jubilé ne peut pas être pratiqué, ça veut dire qu'il y a une situation d'anormalité qui provoque cela, que la liberté ne peut pas être obtenue. Et pourquoi cela ? Parce qu'il y a un empêchement. Et d'où vient l'empêchement ? Bien, l'empêchement vient de la part de ceux qui empêchent par leur absence le fait que cette liberté puisse devenir effective. Shlemut haguf haklali hatziburi bekamut kan ba'aret megala et shlemut ha'ardut. La présence plénière entière du corps collectif social, tziburi ici signifie social, quantitativement, de kamut, kan ba'aret, ici dans le pays, megala et shlemut ha'ardut, met en évidence la plénitude de l'unité. Le fait que l'absence d'Israël sur sa terre se traduit par le fait que l'unité est absente, que la multiplicité, cela veut dire la division, règne. Rappelez la terrible mise en question d'Israël par Haman, Yeshno Amechad, il y a un peuple qui se prétend, qui est supposé être un, mais voilà que puisqu'il me fausard, puisqu'il me percé, il aussi me forad divisé, dans la division et dans la dispersion des nations. Et en tant que cela, et daté hamelech enam osim,
il ne pratique pas la loi du roi, des rois, des rois, des rois, Melech Malcha, Melachim, Akadosh Baruch Hu. Kitavou el Haaretz, le Shon Rabim. Lorsque vous serez venu, lorsque vous viendrez, la Shon Rabim, c'est un verbe au pluriel. Ça veut dire que lorsque vous venez de la multiplicité. Et l'unité se réalisera quand vous serez dans le pays. Vekan ba'aretz mitgale shiur hakoma hashalem. Se dévoile l'envergure plénière, ha'ardut hashlema, l'unité plénière, shel haklal bechol madregotav, de la collectivité dans toutes ses dimensions, beklaliut achiyuniut shel am Israël be'eretz achaim. Hey, comment traduire cela? Le klaliyut, dans le fait d'avoir rétabli la dimension collective, chiyuniyut, vitale et en même temps vivifiante, shel am Israël be'eretz achayim, du peuple d'Israël sur la terre de vie, ou mitor kach, et grâce à cela, du dedans de cela, Yesh koach le chol yachid ve yachid, la possibilité pour chaque personne individuellement, à chacun. Manitou avait parfois l'habitude d'écrire chaque un. Chaque, c'est à chaque UE, un. Pas chacun, c'est à CUN, mais chaque un. Lichot mu'ar be'or ha-mitzvah, de pouvoir être illuminé, éclairé de la lumière de la mitzvah. Umitoch ha-shlemut ha-klalit, hemsher shlemut ha-prat. Et du dedans de la plénitude collective procède la plénitude du particulier. Hemsher shlemut ha-prat. Comment cela se manifeste? Une autre mitzvah de la paracha, j'aurais dû mettre la référence, je la rajouterai avant de mettre le texte sur le WhatsApp. Lo tonu ish et amito. Je vois. Comment? Ouais, ouais, bon. On est sur le chemin. Nous avons un avocat avec nous. Lo tonu. Bona'a. Ouais. Comment vous traduisez Hona'a? Vous ne tromperez pas, mais non, ce n'est pas la tromperie. C'est plus, profil. C'est plus grave que la tromperie. C'est... Bon, comment dirais-je? Techniquement, c'est l'escroquerie. Escroquerie, voilà. Mais l'autonou ish et amito. Ou la choninou et gamken peut-être. Et, il y a là, bien entendu, la connotation de tromperie également au sens fort du terme. Il y a un terme juridique qu'on utilise parfois, c'est causer un dol. Oui. Le dol qui provoque des doléances. C'est beaucoup plus grave le haona que le dol. Oui, oui, mais bon, c'est un terme générique, général. Moussak Hadash. Et voilà qu'apparaît une notion nouvelle. Amitecha. Amit, dans le vocabulaire courant, c'est un collègue. Qu'est-ce que cela veut dire, un collègue? C'est quelqu'un qui partage avec toi une même fonction, une même mission, qui est, comme toi, occupé à réaliser le même projet. Et cela implique en même temps, réa, travers, ach. Vous vous rappelez dans la paracha de Kedoshim, pas longtemps Kedoshim, n'est-ce pas? Eh bien, nous avions ces versets de Lévitique 17-18, enfin du chapitre 19, versets 17 et 18,
לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך, ואהבת לרעך כמוך. Tous ces termes qui arrivent là-bas de manière tissée en quelque sorte ensemble à différents niveaux. Réa, Chaver, Ach. Et voilà ce que le Rav indique. Mitor kitavo el haaretz. Parce que vous serez venu au pays. Et parce que Shmita et Yovel. Et parce qu'il y a cette dimension de la Shemitah et du Yovel avec leurs conséquences et leurs implications. Mofia Mila Chadasha Bemilon Hamilim Shel Klal Israël. Dans le répertoire du vocabulaire de la collectivité d'Israël. Amitecha. Bechazal. Amit. Eh bien, on va décomposer le mot dans le Talmud. Il y a la notion de Am, qui implique la notion de Aim, le fait d'être avec. Et puis, il y a phonétiquement la notion de Itcha, de celui qui est avec toi. Am, chez Itcha, Batora ou Mitzvot. Ce membre de ton peuple qui est avec toi dans la Torah et les mitzvot. Il y a deux mots en hébreu qui peuvent se traduire par avec. Aim et et. Hitztarfut, cela signifie association. Itrabrut. Dans Itrabrut, il y a la notion de faire chevra, hishtaychut klalit, d'appartenance collective. Et, mila mutsuya me'od, c'est un mot très commun, qui figure très souvent. Rabbi Akiva doresh kol itin. Rabbi Akiva avait coutume de rendre compte de la signification de ce que implique et à chaque fois qu'il le rencontre. Et donc, il y a plusieurs et, donc des itin. Tu pourrais dire kabed avicha veimecha. Et dans le pshat apparent, kabed et avicha, c'est équivalent. Que rajoute et? Quelqu'un qui est avec ton père et ta mère. Qui n'est pas ton père et ta mère, mais qui va être associé au kavod que tu dois à ton père et à ta mère, parce qu'ils participent de la même manière d'être parental, d'être en parenté avec le frère aîné, les beaux-parents, les grands-parents. Ça n'a pas besoin d'être explicitement formulé dans la Torah, c'est impliqué par être. Hitztarfut, Hitrabrut, Hishtaychut Klalit. L'Ichaora, Mila Miyuteret. Apparemment, c'est un mot qui pourrait paraître comme étant superflu. Mais c'est Inyan Miyuchad. C'est une notion spécifique. Méthodologiquement, j'ai l'habitude d'expliquer qu'à chaque fois que dans un verset, vous trouvez un mot dont vous avez l'impression que ce mot ne change rien au sens du verset et que sans ce mot, vous comprendriez le verset exactement de la même manière, il faut savoir que le sens profond, intime du verset se trouve dans ce mot-là. Inyan Meyuchad. Kama mine itin. À chaque fois qu'il y a occurrence du mot « être », la signification n'est pas systématiquement la même. Il y a différentes sortes de « être ». Ad ha-meyuchad shebekulam. Jusque c'est y compris à ce qui est le plus spécifique.
Et Hachem Elokecha Tira. Hachem ton Dieu, tu craindras. Mais il n'est pas dit Hachem ton Dieu, tu craindras. Il est écrit Et Hachem Elokecha Tira. Ha'alef Tav Hazé. Et lorsqu'on dit Ha'alef Tav, ça veut dire de Aleph Tav. Et le sous-entendu de Aleph Tav, ça veut dire tout y compris. En culture occidentale, on appelle ça l'alpha et l'oméga. Parce que l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et le oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Mais en hébreu, on dit de Aleph Tav. Ça veut dire tout. Tout ce qui va avec. En français, on dit de A à Z. Et on dit aussi de A à Z. Et lorsqu'on dit Et Hashamaim ve Et Haaret, cela veut dire tout ce qui va avec le ciel et tout ce qui va avec la terre. Ha Alef Tav Hazé Mosif Et Hashayach implique ce qui est concerné. Ha Mitztaref El Hadavar, ce qui s'adjoint à la chose. Haim Gamken me vatet Itztarfut. Le mot Haim exprime également cette association. Azov ta'azov imo. C'est une expression d'un verset qui exige de l'homme d'aider son prochain à restaurer une situation déséquilibrée. Azov ta'azov imo. Ce n'est pas le moment d'expliquer pourquoi ici « aider » se traduit par le verbe « la'azov » qui semble vouloir dire « abandonner ». Mais tu feras ça avec lui, pas à sa place, avec lui. « Achicha »,« Re'acha », ton frère. « Re'acha », on le traduit par ton prochain. « Veyoter mise » et plus encore « Amitecha ». Shayahut chiyuniyut amitit. Une authentique participation vitale, vivante, chiyunit, de ce qui fait que la vie est vivante. Le amit, c'est celui qui est le im et le et de toi. Mitoch ha-kitavo el ha-aretz. À partir du lorsque vous serez venu au pays, ad arshav, jusqu'à présent, l'amadnu, nous avons appris des mitzvot particulières. Lo tignov, tu ne voleras pas. Lo techakrou, tu ne mentiras pas. V'hayom, lo tonu. Aujourd'hui, nous apprenons lo tonu. Traduit tout à l'heure, vous ne tromperez pas, vous n'escroquerez pas, vous ne, etc. Yosod ahona'a bakarka. Le fondement de cette notion d'escroquerie concerne la terre, le sol, le terrain. Beshayachut hamutsakit shel kol echad ve'echad el hakarka haklalit. Dans l'appartenance oui, mais mutsakit. Mutsak, ça veut dire solide. On pourrait dire, parlant de Nadlan, en dur. Ce n'est pas quelque chose de frivole, de volatile, de passager. C'est la ferme appartenance chez le kol echad el hakarka haklali, de chacun au sol collectif. Umitorkar est du dedans de cela. Hit partout shlemut achayim bepratim. Le fait que, bien entendu, eh bien, cela ne va pas mettre en cause l'identité spécifique particulière de la vie privée de chacun. Hit partout shlemut achayim bepratim. Hashavat gzela, le fait de restituer un vol. Un produit, quelque chose qui a été volé.
Tzricha gam pius ravero le taken tsaharo n'implique pas seulement le geste physique de rendre un objet volé, il faut aussi apaiser son prochain. Cela implique aussi la demande de pardon, la demande de conciliation et de réconciliation. Et le Rav de préciser à partir de là, nous apprenons dans la Torah qu'il y a honaat mamon, qu'on peut tromper son prochain financièrement, veyesh honaat devarim, et qu'il y a également quelque chose qui s'appelle honaat devarim. Le fait de tromper quelqu'un par la parole. Bon, quand je trompe quelqu'un financièrement, je le trompe par la parole, mais ce n'est pas ça qui est indiqué ici. On va y revenir. Et cette honat de Varim, c'est un moussag yahadouti mishpati. C'est une notion spécifiquement juridique juive. Veyesh tzad kaze, et il y a un aspect comme cela, chez Chamura Honaat Devarim et Honaat Mamon, que la tromperie je vais dire ici qui va induire une erreur dans la conscience de celui à qui on parle. Est plus grave que la tromperie financière. Il s'agit de pgiya psychologit nafshit. Le Rav Tsiouda utilise parfois des termes non hébreux, psychologit. S'il avait dit seulement pgiya nafshit, on aurait pu traduire une pgiya psychologique. Quelque chose à sa personne. Je vous donnerai dans quelques instants un exemple pour essayer d'illustrer cela. Et une pgiya psychologit nafshit yoter chamura mi pgiya b'chatichat chomer. C'est quelque chose qui est plus important qu'une atteinte portée sur un quelconque objet matériel. Manitou avait l'habitude de dire qu'il y a des erreurs commises très fréquemment par des éducateurs. Quelle erreur ? Le fait de prétendre que c'est évident les mitzvot, ça va de soi. Enseigner à un petit enfant que les mitzvot, c'est normal, naturel et ça va de soi, c'est honaat devarim. Parce que ce n'est pas vrai. C'est provoquer une fausse émouna. Une fausse émouna dont un jour, cet enfant se réveillera lorsqu'il aura commencé à apprendre à penser par lui-même. Et ce jour-là où il se réveillera, il se rendra compte qu'on lui a raconté quelque chose que lui ne juge pas vrai, ne peut pas considérer comme vrai, eh bien cela va provoquer chez lui un cataclysme psychologique. Parce qu'il va se demander, est-ce qu'on a voulu me tromper, ou est-ce que c'est lui qui est fou, ou est-ce que c'est moi qui suis fou ? Et Manitou expliquait, prétendre que les mitzvot, ça va de soi, c'est contradictoire avec la notion de révélation. Si ça va de soi, je n'ai pas besoin d'une révélation. Mais s'il y a eu une révélation, ça veut dire que cela ne va pas de soi. Que c'est une fausse évidence. C'est comme lorsqu'on va dire à quelqu'un, à partir par exemple du Midrash, vous connaissez le midrash du renard et du poisson ?
Le renard qui dit au poisson, viens, faisons la paix, viens vivre avec moi sur terre. Il dit, mais sur terre, je ne peux pas vivre. Et machal nimshal, ce serait pour le fait de dire que les mitzvot, c'est le milieu naturel pour Israël, et que si on quitte le milieu naturel pour Israël, on ne peut pas vivre sans les mitzvot. Et comment font tous ceux qui vivent et qui ne pratiquent pas les mitzvot? Est-ce que tu prêtes attention à ce que tu dis lorsque tu dis une pareille chose? Et les goyim, ils ne vivent pas. C'est évident qu'on peut vivre sans les mitzvot de la vie biologique naturelle. Et certains te diraient, et même encore beaucoup mieux qu'avec. Alors qu'est-ce que ça veut dire « Kihi chayenu vorech yamenu » parce qu'elle est notre vie et la longueur de nos jours. Et si la Torah a besoin de le dire, c'est que ce n'est pas évident, qu'il faut l'apprendre et qu'il faut comprendre comment cela marche. Pgia nafshit chamura mipgia mamon. Mitor kitavo el haaretz. À partir de cette venue sur la terre, de cette venue dans le pays. Birure mishpat. Le fait de mettre au clair juridiquement, mishpat nachon, véridique, véritable, authentique, le sidre hakarka, à l'organisation de la terre, ou le honaat devarim a hamura mimena, et à cette tromperie au niveau du langage, qui est plus grave qu'elle, parce que l'homme se définit comme le vivant parlant. Et lorsqu'il y a détournement, non pas de fond, mais détournement d'idées à travers la langue, c'est plus grave. Shlemut achrayut pirte achayim, la plénitude de la responsabilité des détails de la vie, novrim mitoch achrayut, qui procède du dedans de la responsabilité, shelanu klape kedushat haaretz hazot, à l'égard, notre responsabilité, à l'égard de la sainteté de cette terre. Et le Rav de rappeler la structure de la Kriyat Shema, à savoir, « Sheyekabel alav ol malchut shamaim techila », à savoir qu'il doit d'abord recevoir sur lui, assumer la souveraineté du ciel. Et faites attention, il y a ici une autre onade de Vary, possible. C'est de croire que Malkut Shamaim, ça veut dire la souveraineté de Dieu. Mais nous apprenons dans le Talmud, et Manitou insistait très souvent là-dessus, que nulle part dans la Torah, chez Birtav, chez Béalpé, le mot Shamaim n'est un kinouï, comme par exemple Melech Malcham Lachim, Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach et toutes les autres expressions qui désignent lui. Mais Shamaim, ça ne désigne jamais lui. Il est dans les cieux, mais il n'est pas les cieux. Oui, c'est ça, oui. Ol Malchut Shamaim, c'est d'assumer la prise sur soi, le fait d'assumer la souveraineté de la loi de moralité qui nous vient du ciel. D'abord, v'acharkar, et seulement ensuite, yekabel alav ol mitzvot, il pourra assumer kabbalat ol mitzvot, le fait d'assumer le joug des mitzvot. Le Rav précise, Yesh matzavim shel mitorkach, Yesh matzavim shel acharkach. Il y a des situations dont l'une implique l'autre. À partir de, du dedans de, il s'ensuit que, Yesh matzavim shel acharkach,
et il y a des situations de juxtaposition chronologique. D'abord ceci et ensuite cela. Taloui b'matzavim shonim techunot ofi shonot. Dans des situations différentes, il y a des caractéristiques particulières. Par exemple, va dire le Rav, savlanut ou sovlanut. Savlanut, c'est la patience. Sovlanut, on traduit par tolérance. Ena hashlama im hamatzav ne signifie pas accepter une situation telle qu'elle est. C'est comme ça, bon, ben, qu'est-ce que tu veux y faire? Et là, afrana itpatruto. Mais le fait d'être conscient du fait qu'il y a une situation évolutive. Actuellement, c'est comme ça. Et il faut être conscient du actuellement pour pouvoir progressivement amener à la modification souhaitable. Le Rav va illustrer à partir d'un enseignement qui se trouve dans le Sefer Devarim, dans la Parasha de Nitzavim, au chapitre 30, qui est un des grands chapitres de la Torah concernant la notion de Teshuva, au double sens du terme, dont le sens premier, c'est le retour en Eretz Israël. Le Parashat Nitzavim, dans les versets du Deutéronome, chapitre 30, les versets 1 à 6, « Be'acharit hayamim » à la fin des temps d'exil. Il est écrit « Ve'hashevota el levavecha » et tu feras retour en ton cœur, « Ve'shavta ad Hashem elokecha » et tu reviendras jusqu'à Hashem ton Dieu, « Umal Hashem elokecha et levavecha et levav zarecha » et Hachem ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Et le Rav pose une question naïve. Vous savez ce que c'est une question naïve? Elmim d'Abraham, à qui la Torah s'adresse-t-elle ici? À qui on parle? Mise ha'ata hazé, v'hashevota, v'shavta, mal Hachem elokecha et levavecha. À qui on parle? Am Yisrael chozer mitumat ou bilboulé hagalut. Le peuple d'Israël revient de l'impureté et des troubles de l'exil. Aval Am Yisrael zé, mais ce Am Yisrael, ce peuple d'Israël, qui c'est? Zegam Adam, Zegam Zarecha. C'est toi et c'est ta descendance. Or, à ce sujet, nous avons le dernier verset de la prophétie de Malachi. Et il ramènera le cœur des pères sur les fils, pas aux fils, sur les fils. Je n'explicite pas ça, pas ici le verset plus avant, mais notez bien en tout cas que ce n'est pas le cœur des pères à leurs fils, mais c'est le cœur des fils à leur père. C'est aux fils en général et à leur père en particulier. Vegam habanim, vegam haavot, zekla l'Israël. Et les fils et les pères sont tout aussi bien la collectivité d'Israël. Et là, Shéroïm, mais voici qu'on doit s'apercevoir qu'il est indispensable que lorsque vient le temps, la situation de la Geoula, qu'on appelle la délivrance, signon meyuchad, un style particulier, tipoul meyuchad, une manière particulière, spécifique de traiter les pères, et une autre manière spécifique de traiter les fils. Le style qui peut s'appliquer au père ne peut pas s'appliquer au fils et réciproquement. Nous pouvons nous permettre d'apprendre quelque chose du bon Dieu. Anshe Ruach, Anshe Kodesh, des hommes d'esprit, de spiritualité. Anshe Kodesh, des personnes de sainteté.
Sheruyim lichot marzire bitshuva bichlal Israël, qui sont à même de Reuim, qui ont la capacité de ramener, de faire tshuva à la collectivité d'Israël. Ech le havin et ha'avot, ve ech le havin et ha'banim. Comment comprendre les fils et comment comprendre les pères? Si ceux qui s'occupent de restaurer l'intégrité spirituelle, morale, intellectuelle d'Israël ne savent pas faire la distinction entre les pères et les fils, ils vont se tromper de discours. Et se tromper de discours, cela peut avoir comme implication honaat devarim, volontaire ou involontaire. Le daber el ha'avot, par exemple, parler au père, sheragil al leshona mesilat yosharim vereshit kofma, qui sont habitués au discours de mesilat yosharim ou de reshit kofma. Mesilat yosharim, c'est un grand ouvrage de morale du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Reshit Chochma, c'est un livre qui récapitule toute la Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero. Et donc, parler aux pères qui sont habitués à ce style de Mesilat Yesharim et de Reshit Chochma, de Signon Abanim, à la manière dont on parle aux fils, c'est Enam Regilimbo, qui ne sont pas familiers de cela. Zelotov, c'est pas bon. Zelo alpi adracha ha'elohit. On ne peut pas faire cela en respectant l'enseignement méthodologique concernant le sujet dont on traite, adracha ha'elohit. On veut torser. Et au sein de cela, au dedans de cela, yesh le havin et en ze pirud, il ne s'agit pas là d'une dispersion, d'une division. El advar Hashem hamidgale babituyo, mais la parole divine qui se dévoile dans son expression. Ube signonav et dans ses styles. Derer talmide achachamim haruim ligwa derer bechol achalakim shonim shel klal Israël. Et dans les différents styles, au travers des véritables talmide achachamim, c'est moi qui rajoute véritable, haruim qui sont dignes ligwa derer de frayer un chemin. Dans toutes les différentes parties chez le clan Israël, de la collectivité d'Israël, et tout cela à partir d'un principe unificateur, mitor Torah Hashem Temima, du fait que la Torah de Hashem est Temima, entière, Shlema, en plénitude, Ha'anakit, gigantesque. Qui est au fondement de la formation de l'homme et d'Israël. Bon, il y a encore deux paragraphes, mais qui sont un peu rajoutés et qui demanderaient beaucoup trop de temps, pour moi en tout cas, pour les expliciter, mais je pense que l'essentiel a déjà été dit. Cela ne vous empêchera pas ou ne devrait pas vous empêcher de lire par vous-même la suite qui est importante pour elle-même, mais malgré tout je ne dis pas qu'elle commence à se faire tard, mais enfin il y a des limites à ce que l'attention peut supporter et donc je vais m'en tenir là pour ce soir. Erev Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.